Bonjour à tous, aujourd'hui je vais tailler cet abricotier du Japon. Alors c'est la première fois que je présente cet arbre sur la chaîne, c'est tout simplement mon espèce à fleurs préférée. C'est un Prunus mume, un abricotier du Japon. C'est un super arbre, c'est très connu au Japon forcément. Ce que je trouve le plus beau, c'est sa floraison qui est rose et il y a un contraste énorme avec le bois qui est très foncé, presque noir. Et ce noir et ce rose, ça, c'est formidable. Par contre, c'est assez éphémère parce que j'observe que chez moi, elle fleurit quand même assez tôt, courant janvier, vers la fin de l'hiver. Et là, vous avez les fleurs roses qui se développent. C'est incroyable. C'est une espèce caduque, elle va perdre ses feuilles. Vous avez vraiment les rameaux qui sont nus. Et après, vous avez les fleurs qui sortent. Et là, c'est vraiment génial. Ça dure pas très longtemps. Ça dure à peu près un mois. Et donc, il faut vraiment en profiter. Et juste après, quand les fleurs elles tombent, après, vous avez les feuilles qui se développent. Donc là, c'est des feuilles avec une couleur entre vert et rouge. En fait, quand elles sont très jeunes, elles sont rouges, rouge bordeaux, rosées, et avec le temps, elles deviennent vertes après. C'est un arbre que j'ai depuis plusieurs années dans ma collection. Comme c'était une nouvelle espèce pour moi, j'ai préféré attendre plusieurs années avant de vous faire une vidéo pour essayer de comprendre comment elle fonctionnait, comment elle fleurissait, quand, qu'est-ce qui se passait si je coupais un rameau, qu'est-ce qui se passait si je ligaturais, etc. Et bah, au fur et à mesure, j'ai appris et j'ai expérimenté que cette espèce fonctionne très bien avec la taille en verre. Donc c'est vraiment la taille à faire au printemps sur justement des tiges comme ça qui sont encore vertes en fait, le bois n'est pas lignifié et c'est là-dessus qu'il faut tailler. Donc c'est comme ça qu'on forme au fur et à mesure bah, la ligne de tronc, qu'on peut la ligaturer, on peut revenir en arrière, on peut densifier, ramifier, c'est vraiment toutes ces étapes-là qu'on peut faire avec la taille en verre. Pour faire l'historique à peu près de cet arbre, il est resté à peu près 2 ans dans la collection en laissé tiger tout simplement. Je ne l'ai pas taillé, j'ai observé et la première vraie intervention que j'ai faite sur cet arbre, c'était en début d'année 2021 où j'ai fait en fait une taille drastique. C'était que des tiges toutes droites et moi je suis revenu vraiment en arrière en sélectionnant les tiges et en laissant quelques centimètres des branches que je gardais. C'était vraiment un peu un essai parce que je me suis dit bon ça réagit bien à la taille en verre, donc vraiment la taille au printemps, et je me suis dit mais ouais mais là en faisant des tailles drastiques comme ça bah, je coupe pas que du verre, je coupe aussi du bois qui est vieux, donc j'étais pas sûr de la réaction et là je suis super content parce que c'est quelque chose qui a très bien réagi. En faisant une taille drastique au début du printemps, et ben on se retrouve en fait avec plein de tiges dans le courant du printemps. Quelques semaines après, ça se redéveloppe et bah, ça permet de refaire encore une autre taille. Donc je suis assez content de la réaction de l'arbre parce que qui dit taille en verre dit réaction quelques semaines après sur cet arbre. Et donc on peut le travailler bah, comme un pommier, une aubépine, un arbre de Chine, etc. Il faut le tailler quand ça pousse, quand c'est en activité, au printemps. Et ça marche très bien. Au niveau du substrat, ça reste un substrat standard. Je ne l'ai pas encore rempoté, mais si je le rempote, ce sera dans le mélange classique 60% pumice, 40% akadama. L'engraissage, c'est pareil que les autres arbres. Au niveau de l'exposition, il est mi-ombre. Il a un peu le soleil le matin et il a le soleil en fin de journée. Et l'après-midi, il est caché par les voiles d'ombrage. Donc là, au printemps, en été. Hein. Le reste de l'année, c'est ouvert.
En hiver, c'est un arbre que je protège dans la serre. Et au niveau de la taille de sélection et la taille de racines que j'ai faite sur les branches, il y a certaines branches que j'ai gardées qui étaient justement longues et que je me suis permis de ligaturer. Donc on voit encore des ligatures qui restent. Et ce que j'ai observé, c'est que la ligature, c'est un peu compliqué sur cet arbre parce que c'est quand même assez cassant. Ça ressemble un peu au pommier, hein. On avait fait des vidéos sur cet arbre. Donc le fait que ce soit cassant, on ne peut pas donner des gros mouvements, il faut y aller vraiment doucement. Et ce que j'ai observé aussi, c'est que sur les branches les plus vieilles, il a mal réagi. C'est comme s'il avait fait un retrait de sève et il est reparti juste derrière. Par exemple, sur cette branche, on voit que c'est vraiment reparti derrière avec cette tige à la base. Donc c'est une nouvelle branche au final. La branche de devant, finalement, elle n'est pas repartie. Et j'ai le cas sur deux autres branches, une en haut et puis une à l'arrière. Sinon, les autres que j'ai ligaturées, ça s'est bien maintenu, ça a bien réagi, ça a continué à pousser. Je pense qu'il faut vraiment y aller doucement et éviter de ligaturer le vieux bois, carrément en fait le retirer la branche et repartir sur une nouvelle branche plutôt, et ligaturer cette nouvelle branche. Donc voilà ce que j'ai observé et ce que je fais sur cet arbre. C'est un arbre qui supporte la ligature, mais il faut y aller très doucement et plutôt travailler sur des très 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 jeunes rameaux. Et au niveau des tailles, taille de densification et taille en verre au printemps. Donc là évidemment, on s'en doute, aujourd'hui ça va être un atelier de taille en verre. On va sélectionner et tailler des tiges. Donc sélectionner, c'est-à-dire que je vais supprimer des tiges que je ne vais pas vouloir garder et développer. Et celles que je garde, je vais revenir à 2-3 feuilles pour travailler sur le bourgeonnement arrière des branches, pour les densifier, et travailler sur la conicité, pour éviter d'avoir de longs tubes sans mouvement. Donc là, ça va être très simple, on va prendre une simple paire de ciseaux et on va se rapprocher pour la suite. Bon, comme d'habitude, les pots, ils sont remplis de mauvaises herbes. Il faudra que je les enlève à la fin de l'été. J'aime bien les garder pendant l'été pour garder un peu d'humidité sur le substrat. Mais là, c'est quand même assez envahissant. Et ce qui est embêtant, c'est que quand on retire une motte, le substrat vient avec, hein, ça colonise vraiment le substrat au niveau des racines. Mais bon, c'est de ma faute, je devrais vraiment supprimer à chaque fois qu'il y a la moindre chose. Il faudrait vraiment que je surveille plus souvent. Là, je suis vraiment envahi de mauvaises herbes. Bref, la première chose que je vais faire, c'est supprimer déjà les tiges que je ne veux pas garder. Donc là, pour commencer, on a une tige à la base ici que je ne vais pas garder. C'est assez évident. Donc celle-ci, je la supprime totalement. Au ras, je peux même rogner. Là, on voit cette première branche dont j'avais parlé, que j'avais ligaturée, mais rien n'est parti sur cette branche. Elle paraît toujours verte. Là, je vérifie en fait en grattant avec l'ongle. En dessous ça a pas l'air d'être vert, donc je pense que c'est mort, c'est reparti derrière et on a maintenant cette tige qui la remplace. Donc celle-ci je vais la garder, je vais éventuellement lui donner un petit peu de mouvement avec de la ligature et je vais supprimer cette branche. Ça je le fais tout de suite, donc je le fais, je supprime avec la ligature. De toute façon je pense qu'on va déligaturer la plupart des choses que j'ai faites. Maintenant que ça a poussé, je pense que le mouvement est bien imprimé. Et puis ça, je vais le ligaturer pour essayer de la redescendre. Ça va être vraiment la première branche. Pour l'instant, je la laisse comme ça. Je vais juste réduire la longueur pour ne pas être gêné. Et puis après, on reviendra sur les tiges que j'aurai gardées. Là, c'est pareil, on a une tige qui pousse dans le creux du tronc. Donc ça, c'est pareil, on n'en a pas besoin. Hop. Ensuite, on passe à cette branche. Donc là, le mouvement est assez intéressant. Le tronc part vers la droite. Et là, il y a vraiment cette branche qui accentue ce mouvement vers la droite. Et au niveau de la structure de la branche, en se mettant au-dessus, on voit que justement, j'ai coupé ici ce gros tube, donc c'était vraiment une branche qui montait très 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 haut, et j'ai gardé en fait ces deux ramifications. Ça s'est redéveloppé, on voit les feuilles justement rose bordeaux que j'avais dit, donc c'est les nouvelles, et on va pouvoir continuer à travailler la structure. Donc sur cette-ci, je vais raccourcir, je vais garder que les anciennes feuilles, donc là, toutes les nouvelles, je les supprime. La feuille qui descend en bas, je l'enlève, celle qui va au-dessus, je l'enlève aussi. Et là, je me retrouve avec justement une branche et puis ces deux feuilles. Pour cette partie-là, c'est pareil, ça s'est trop développé. Il faut que je regarde. Alors, il y a pas mal de feuilles. Je vais voir ce que je peux supprimer pour qu'on puisse bien voir. Donc, toutes les feuilles qui sont mal dirigées, hein, celles qui vont dans une mauvaise direction, qui ne vont pas latéralement vers l'extérieur, je supprime. Donc, vers le haut, vers le bas, vers le tronc. Tout ça, c'est des directions que je ne vais pas garder. Ici, la branche va vers la droite et elle se redivise à cet endroit-là. Donc là, l'idée serait de garder cette partie-là et puis une partie ici. Je vais juste raccourcir une partie qui a séché. Donc ça, c'était l'ancienne, c'était sûrement de l'ancienne coupe. Là, la rose feuille qui descend, je supprime. Les deux tiges ici, je les supprime. Donc je supprime leur longueur. Ça, c'est ce qui a été produit après la taille du début du printemps. Cette tige aussi, je la supprime. Je fais ma sélection de feuilles.
Alors là, j'enlève aussi les feuilles qui poussent sur la structure hein, que je veux rendre visible. Moi, ce que je veux, c'est vraiment des choses qui se divisent en deux régulièrement et puis à chaque fois deux feuilles. Il y a quand même pas mal de sélection à faire du coup. Si je regarde bien, cette branche, elle se divise à cet endroit. Il y a une partie qui va à droite, une partie qui va à gauche. Mais la partie qui va à gauche, je trouve que c'est trop dans la continuité de cette branche. Il n'y a pas de conicité, c'est le même diamètre ici. Donc je vais me permettre de supprimer la partie qui va ici. Voilà, comme ça je garde que la partie de gauche et éventuellement je vais religaturer ces deux branches pour que le mouvement et la direction soient bonnes. Au niveau des feuilles, donc ça je supprime, voilà, je garde que des choses comme ça latérales. Celles qui montent aussi, je supprime. Et là on est bon avec cette branche. Donc l'idée c'est de faire la même chose partout et je vous propose de faire ça en accéléré. Voilà, j'ai supprimé toutes les tiges qui étaient mal placées et puis celles que je garde, je les ai raccourcies pour revenir sur les bourgeons d'avant. Je me suis permis aussi de ligaturer certaines parties, comme cette branche-là et cette branche-là, pour ramener ici la ramification plus proche du tronc. Je vois aussi que les autres ligatures que j'avais faites avant, elles sont toujours placées et ça ne mord toujours pas à l'écorce. Donc celles-ci, je les laisse en place. Par contre, je me suis rapproché pour vous montrer un peu. Il y a du bois mort en fait à travailler sur les moignons qui sont restés en place. Donc par exemple ici. On voit que bah, cette tige-là et cette tige-là, ça a pris le relais sur les anciennes tiges qui étaient là, que j'ai taillées. Par exemple, celle-ci aussi. Là, j'ai taillé et ici, c'est reparti. Donc, je vais me permettre de revenir un peu en arrière pour bah, nettoyer en fait hein, tout ce qui est mort. Il faut que j'essaye d'aller le plus loin possible, mais sans abîmer la partie vivante. Et vous avez vu, à l'intérieur, c'est rose. Alors par contre le bois mort est vraiment vraiment très dur. C'est un des feuillus où on peut travailler le bois mort, on peut faire des charries, du bois mort, etc. Donc ça on peut en profiter. Là c'est vrai que sur cette arme j'ai pas eu trop d'idées sur le bois mort, mais c'est vrai que je pourrais par exemple faire un charrie le long du tronc, etc. Mettre du bois mort un peu aux extrémités, c'est possible. Dans tous les cas, il faut que je nettoie ce tronc parce que effectivement, il est assez massif. Il y a quand même quelques gonflements là où on peut imaginer qu'il y avait les branches avant, par exemple ici, 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 c'est des gonflements et effectivement, on voit encore les marques d'anciennes grosses branches qui étaient là pour faire grossir le tronc. Mais effectivement, maintenant, il faudrait rogner tout ça pour essayer de réaffiner un peu le tronc, éventuellement faire du bois mort, mais la ligne de tronc mérite encore d'être travaillée. Là, si on regarde par exemple cette partie-là, c'est quelque chose de très épais parce qu'il y a eu une grosse branche ici, il y a eu une grosse branche ici, et là on commence à développer bah, plusieurs petites branches tout autour. L'idée, ce serait par exemple de supprimer toute cette partie-là pour affiner la ligne de tronc. Donc là, c'est ce que je vais me permettre de faire, plutôt en accéléré parce que ça va être assez long, il y a des zones quand même à supprimer, mais vous comprenez le principe. L'idée, c'est vraiment de rogner des parties qui sont mortes. Pour affiner la structure du bois et qu'on y voit mieux sur cette ligne de tronc, pour éviter les gonflements qui sont inesthétiques et les éventuels défauts de conicité. Donc c'est parti! Voilà, le travail est terminé. Donc j'ai taillé ce qu'il fallait tailler. La ligature, on en a parlé tout à l'heure. Elle va rester, je vais la surveiller évidemment, il ne faut pas que ça rentre dans l'écorce. J'ai retravaillé les moignons qui restaient et le bois mort. Il y a certaines parties qui dépassaient entre guillemets de la ligne de tronc, de la silhouette. Donc j'ai essayé de rogner pour essayer d'affiner un peu cette ligne de tronc pour éviter qu'il y ait trop de grosseur à certains endroits et qu'il y ait des défauts de conicité apparents. Au niveau des tiges qui restent, eh ben, elles vont continuer à se développer. Il va y avoir sûrement aussi un bourgeonnement arrière. Donc ça, ce sera à suivre au fur et à mesure de la saison. Voilà, donc c'est un travail assez rapide. Il suffit de sélectionner les tiges. Celles qu'on garde pas, on les supprime. Celles qu'on garde, on les raccourcit et ça va permettre de construire au fur et à mesure la structure. C'est vraiment une espèce que j'aime, mais en fait je l'aime surtout quand ça fleurit, parce que le reste du temps, bah, ça reste en fait un arbre fruitier, un peu comme un pommier. Il y a des grandes feuilles vertes, on fait des tailles, etc. Mais vraiment le moment où on a, entre guillemets, la récompense de l'année de culture, c'est vraiment en janvier quand ça fleurit, parce que là c'est vraiment magnifique. Et comme c'est mon espèce à fleurs préférée, je me suis dit que c'était évident qu'il fallait faire une vidéo un jour ou l'autre. Et là, je trouvais que de montrer une taille en verre, ce serait intéressant pour ceux qui aimeraient peut-être se lancer là-dessus. Sinon, on est quand même sur un niveau de maturité assez faible.
Là, c'est vrai qu'on est sur une ligne de tronc qui commence à être intéressante parce que c'est épais, c'est vieux, il y a du bois mort, il y a de l'écorce, c'est intéressant. Par contre, sur les branches, c'est vrai que c'est assez jeune. Là, aujourd'hui, on vient de créer, entre guillemets, la première branche droite. Cette branche, elle est vieille, mais bon, elle mériterait d'être développée en ramification. Pour l'instant, c'est plutôt un gros tube sans conicité avec deux ramifications au bout. Donc, il faut que je fasse bourgeonner en arrière pour essayer de densifier et de rendre intéressante cette branche. Et toutes les autres branches, bah, c'est des jeunes tiges de cette année suite à la taille drastique que j'ai faite en début d'année. On est vraiment au début du travail de cette arme, c'est-à-dire sur la création de toutes les branches, de toute la ramure et de toute la densification. Ça va être un travail assez long, mais j'espère que je pourrai vous montrer au fur et à mesure les évolutions, les réactions de l'arbre à la taille, etc., pour qu'on puisse bien comprendre comment l'arbre fonctionne et quelles techniques utiliser pour que l'arbre réagisse au mieux. Voilà, donc je vais remettre cet arbre sur les étagères. Il est mi-ombre avec un bon arrosage, un bon engraissage, et je vous tiendrai au courant de la réaction de l'arbre au fur et à mesure de l'année. En tout cas, on se retrouve bientôt pour un prochain sujet et faites du bonsaï! Vous avez vraiment les rabots, vous avez vraiment les rameaux qui sont nus. Sur l'hiver, en hiver, je le fais en hiver, mais il y a quand même quelques, mais il y a quand même quelques, il y a quand même quelques extra, mais il y a quand même quelques. Mais là, pour ça, il faudrait la pince ronde. Oui. Vite. Ah d'accord. Ok. Pour créer toute la ramure, pour créer. Et je vous tiendrai au courant de la réaction de cette arme. Et je vous tiendrai au courant de la réaction de cette arme au fur et à mesure. Et je vous tiendrai au courant de la réaction de cette arme au fur et à mesure de. Et je vous tiendrai au courant de. En tout cas. Et faites du bonsaï.